Aucun changement, Noré se confie sur ses capillaires et s'attire les foudres des internautes. En 2017, la 11e édition de Secret Story démarre avec Noré et Camilla, deux candidats mariés. À son bord, pendant une bonne partie de leur aventure, le couple a fait mine de ne pas se connaître afin de préserver son secret commun. Une stratégie qui a porté ses fruits puisque leur histoire a été découverte vers les dernières semaines du jeu. Et c'est finalement Noré qui a été élu grand gagnant face à Laura Lampiqué et Barbara Hobsommé. Depuis, les parents de Kenan et Adria, qui ont également participé aux 50 et aux Cross, profitent de leur popularité grandissante sur les réseaux sociaux pour vivre des placements de produits sur les réseaux sociaux et partager leurs bons plans. Ce mardi 3 janvier, Noré a d'ailleurs livré son retour d'expérience d'une prestation esthétique qu'il a reçue il y a 2 ans. Une confidence qui ne fait pas l'unanimité. 2 ans plus tard, voilà le résultat de ma greffe capillaire, a confié le candidat de télé-réalité sur Instagram. Avant de mentionner la clinique qui s'est chargée de sa prestation, vous pouvez voir mon changement capillaire. J'avoue, c'est dingue comme ça change la vie. Un grand merci à toute leur équipe. A-t-il ajouté en légende d'une vidéo montrant son cuir chevelu avant et après la prestation. Un discours aux allures de placement de produits qui ne semble pas ravir ses abonnés. Il faut savoir accepter son âge et les changements de notre corps 2023. Il faudrait apprendre à s'accepter tel qu'on est. Aucun changement, la vérité, il devrait se greffer un cerveau. Franchement, je trouve aucun changement. Peut-on lire parmi les centaines de commentaires? Pas sûr que Noré se confie une nouvelle fois sur cette expérience.